تحت رعاية شركة سامسونج إلكترونيكس نظمت في الجزائر أول دورة دولية في رياضة الفريستايل الاستعراضية والتي أشرف عليها نائب بطل العالم الجزائري وسيم بن سليمان والتي احتضنها المركز التجاري أرديس بالجزائر العاصمة وأطلق على هذه الدورة اسم واس فريستايل كوب حيث عرفت حضور مجموعة كبيرة من المشاركين تضم الأحسن في العالم من إيطاليا البرازيل المجر فرنسا المغرب بولونيا اليابان والبلد المنظم الجزائر Bah, je suis très content d'organiser ça en Algérie, c'est une édition internationale, c'est une toute première ici en Afrique. J'ai invité les meilleurs du monde ici à Alger. L'année dernière j'ai organisé le championnat d'Algérie et cette année j'ai organisé le championnat d'Algérie et international. C'était un projet à la base et je suis très content que ça aboutisse. Il y a eu beaucoup de travail derrière, j'ai passé des nuits pendant des mois. Voilà, pour l'instant ça se passe bien, le public est bien, Majid est là, le public est respectueux, il y a du show, il y a du beau spectacle pendant les battles, tout est réuni pour que ça se passe bien maintenant, j'espère juste que ça va bien se passer et je pourrai tirer un bilan après une fois que l'événement se termine. كما عرفت هذه الدورة حضور الدول الجزائري مجيد بوغرة وأيضا بطل العالم في البريك دانس الجزائري ليلو بالإضافة إلى البطل العالمي في الفريستايل الفرنسي سيان والذين كانوا ضمن لجنة التحكيم وكانت البطولة مفتوحة لكل الجزائريين الشغوفين والمحبين لكرة القدم الاستعراضية من أجل المتعة Ouais, donc je suis venu ici en tant que parrain et jury, donc avec la fondation WAS m'a contacté, donc c'est une très bonne chose. En ce qui concerne le spectacle, bah, c'est une première pour moi. Je trouve que les Algériens avaient beaucoup de talent. J'ai bien aimé, il y avait un peu de folie, il y avait de l'énergie, il y avait un peu aussi de chambrer l'adversaire. Donc non, j'ai apprécié. En plus, c'est tout nouveau en Algérie depuis quelques années, donc c'est en progrès, mais en tout cas, sympa. En général, le niveau là, je ne sais pas si les gens le savent, mais on a la crème de la crème, on a des super bons footballeurs. Et les Algériens nous ont bien représentés, avec en freestyle football, avec un basket avec un noir. Là, on a Yacine qui va bien représenter, je le connais. On a Lisa qui a représenté chez les filles. Il y a un bon niveau et c'est une discipline qui commence à augmenter. On en a de plus en plus en Algérie. Et voilà, franchement, c'est... Et même l'événement, en général, il est bien représentatif de l'Algérie, c'est-à-dire bon accueil, bonne organisation et toujours dans la bonne vibes. Voilà. ويعتبر الهدف الأول من خلال تنظيم هذه الدورة في الفريستايل والتي يستخدم لاعبها جسمه وخاصة اليدين في مداعبة الكرة لإبراز مهاراته في التحكم بها أطول وقت ممكن دون أن تسقط هو ترقية الاختصاص في الجزائر ومنح الفرصة للشباب الممارس لهذه الرياضة لتفجير مواهبه والمشاركة في البطولات العالمية مستقبلا لقناة نوميديا نيوز بالجزائر حكيم الملوك